te le dis déjà d'avance. Tous les objets qui sont dans Minecraft sont importants. Même les fleurs là, les biais fleurs que tu trouves à terre, ça te sert à créer des objets. Même ça, même les fleurs. Ah ouais ouais, t'imagines pas. Tous les objets, je te dis. On s'en rend pas compte, mais... Ouais, donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on se dit que ce serait vraiment con parce que j'ai plus de 20 graines sur moi. Oh, c'est bien ça. Ben je crois que je suis peut-être tout près de la maison. J'espère bien. Au pire, j'aurais pris une bonne douche. Ah, pourquoi il pleut de ton côté ? Non, plus maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Tu m'étonnes, t'as un toit. Ah ouais, là, je suis tombé sur une colonie de moutons. Oh ouais, vas-y, nique les moutons, prends tout ce qu'il y a. Oh putain, là, t'as géré. Ouais, bah, c'est là qu'on se dit que ce serait vraiment con que je serais obligé de me tuer pour revenir. Ouais, aussi. Donc voilà, là j'ai déjà deux trucs de moutons. Et encore, si tu crèves, tu vas réapparaître. Là, on a apparu au tout début quand on a lancé la partie. Même pas la maison. C'est encore plus con, ça. Putain. Mon gars, ouais, mon gars. À mon avis, je vais la retrouver. Je me demande quand même où tu t'es fourré, hein. Et il faudrait combien de laine de mouton pour un lit ? 6. Pour deux lits, 6. Pour deux lits, 6, je suis déjà à 4. C'est déjà bien, là. Ouais, mais il y a encore des moutons, en plus. Mes couilles. Moi qui trouve durement du mouton, le mec, il en trouve tous les pas. Je suis tombé sur une colonie. Mais mes couilles, tu sais pas dans quel sens environ t'es parti de la baraque. Par contre là il commence à faire nuit et ce que je crois que je vais faire c'est me faire une petite baraque. Ouais, fais-toi une baraque en terre s'il faut pour passer la nuit. Oui. Ça va peut-être te sembler long parce que t'es tout seul et y a rien à faire, mais au moins tu seras protégé parce que sinon les monstres vont te bousiller ta life. Par contre, je perds ma vie sans raison. C'est normal, ça ? Ta barre de nourriture ? Non, même pas. Et elle remonte toute seule. Il doit y avoir... Je suis mort, en fait. Quoi ? Je vais être mort. C'est quand même pas l'orage. T'es mort ? Non, il y a ma vie qui remonte. Oh, oh. Oh, moi, il y a de l'orage près de la baraque. Oui, mais moi aussi. Il y a de l'orage ? Oui. Eh quoi, il y a de la neige là où tu marches ou quoi ? Ben c'est bon, là, je me suis créé un petit abri, mais rien de grand chose. Eh quoi, il y a de l'orage là où tu es ? Hein, Romain ? Oui. Bah c'est déjà un bon point, ça veut dire que t'as pas 10 000 km de la baraque. Attends 2 secondes, hein, 30 secondes. Ta baraque elle est faite en quoi ? D'accord, à tout de suite. Ah, ça rase. Elle m'a vu. Ok. Non. Putain, je me demande où il a bien pu être passé. Ah non, j'ai été la rechercher, mais non, non, je la mets pas. Ma maison, elle est en bois, là. Donc... Il y a de l'orage près de chez nous, Jason ? Ouais. Bah près de chez moi aussi, donc. Bon alors, tu dois pas être à 10 000 km. Hein. Ouais, sûrement.
J'écoute, je vais toujours attendre la journée pour bouger, mais je devrais pas être très loin. Et j'aurai une pioche en pierre pour toi. Ah ben nickel. C'est mieux que le bois déjà. Bon. T'es parti du quel côté? Du côté des portes de la baraque en face? Oui, voilà, j'ai continué dans cette optique-là et ensuite j'ai foncé tout droit. Ok. T'as fait une baraque en bois, c'est ça? Ouais. En bois comme la baraque ou en tronc de bois? Non, en tronc de bois, mais en bois blanc. Ah ouais, d'accord. En fait, elle est faite de... En fait, c'est même pas une baraque, c'est... 4 murs. J'essaie de te chercher, mais... Il neige et il y a de l'orage alors près de toi, hein. Neiger, non. Pleut voir. Attends. Non, maintenant il y aura... Ah ouais, il pleut. Ah ouais. Moi, il neige du côté où je suis. Il pleut et il y a... Oh wow, putain, fils de pute de creeper. Oh là là, mon petit Roro, tu es où? Je retourne à la maison parce que c'est trop dangereux de la nuit. Ouais, ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi je perdais de la vie. Pour? Parce qu'il y a un enculé de zombie. Ouais, bah, je vais sûrement mourir, mec. Tu sais pas le tuer? Ah bah non, maintenant c'est tout, maintenant je vais mourir. De quoi? Putain, les plantations du côté du biome neige, ça n'avance pas des masses, hein. Il n'y a pas moyen de s'accroupir dans ce jeu. Si, il faut que tu regardes, ça dépend comment t'as réglé ton jeu. Moi, pour m'accroupir, c'est le 0. Toi, ça doit être... Je sais pas, tu vois dans l'option, contrôle, et tu regardes. Ouais, donc c'est à ce moment-là qu'on dit que dans les options, il n'y a pas l'option accroupir. Ça s'appelle pas accroupir, hein. Ça s'appelle avancer prudemment. C'est la colonne de gauche et c'est le quatrième en partant du haut. De haut en bas, c'est le quatrième dans la deuxième colonne. Ah ok. Merci. De rien. Ah là là, j'espère que tu vas retrouver la baraque dès le lever du jour. J'espère. Et moi donc? Ok, voilà. Alors, j'espère que le lever du jour n'est plus très loin. Non, ça devrait plus durer. Ah voilà, donc il y a de l'orage, et quand il y a de l'orage, que à chaque fois je... Oui. À chaque fois qu'il y a de l'orage, je sais pas, je perds de la vie, à mon avis, il vient sur ma gueule ou quoi. Ouais, c'est ça. Ah ben voilà, je crois que c'est la journée. Ouais, je sais pas, je suis pas dehors. Ouais, c'est la journée. Ouais.
voilà, c'est la journée, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout de suite venir. Alors, je vais monter dans une hauteur. Plutôt sur une hauteur. En fait, notre baraque était à la base, elle est près d'une hauteur. Près d'une hauteur, ouais. Pour jeter quelque chose, comment on fait? Q. La lettre Q quand tu l'as sélectionné. Ah mais non, c'est une vache ça. Connerie. Bon. Oh là 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 là. Ouais, ce serait un peu con avec toutes les ressources que j'ai, ça ouais. Mais je me demande si je sais pas téléporter. Comment tu ferais? Avec la commande serveur. Ah bah ouais, pourquoi pas, vas-y, parce que là ce serait un petit peu dommage. Bah le problème c'est que j'ai peur de me TP moi à toi et pas toi à moi. Ah. Ouais bah écoute, je vais tenter une je crois voir la hauteur de la maison. Ah, je me suis TP à toi! Ah oh, le con! C'est pas grave, on se recrée une nouvelle maison. Ah mais il y avait beaucoup! Regarde, t'as des moutons en bas là! Eh ben ouais, ben tu l'es, moi je vois de la nourriture, je prends. Putain! Non! Shit, on était. On avait quand même quelques ressources, t'imagines même pas le charbon que j'avais à la baraque. Putain, c'est laid ça, on a même pas de bois pour construire la baraque, tu rigoles? À moins que t'aies du bois sur toi? Là où j'ai... Non. Bah il y a du bois sur les arbres, attends. Ouais, je vais reprendre, occupe-toi du mouton. C'est pas avec une pioche qu'on creuse ça? C'est pas avec une pioche, c'est une flèche. Ah ok. Putain, elle fait chier quand même la baraque quoi. Mais écoute, t'imagines même pas les... Ça va déjà bien commencer, tout ça, j'avais commencé à planter. Donc voilà, public, c'est là qu'on voit les difficultés. C'est à cause de toi, tu t'es perdu. Les vaches, ça riposte quand on les attaque? Non, y'a que les loups qui ripostent. Et des monstres. Logique. Quoi, t'as beaucoup sur toi alors? Ah ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai une vingtaine de graines. J'ai 6 trucs de moutons là. Oh nickel. J'ai blindé de bois blanc. Ouais, j'ai pas mal. Putain, la vache là, elle était tellement grosse que j'ai gagné 2 steaks. Ah, du côté nourriture, ça va ta vie? Non, ça va pas du tout. C'est pour ça que je vais manger. Ouais, bouffe. Désolé, mais là, j'ai pas de four sur moi. Ouais, sans doute. Ah, ben voilà, donc c'est là que je vois que j'ai mangé, mais que ma vie ne s'est pas régénérée. Bah, c'est normal, ta barre de faim doit être remplie. Ah, ok. Donc ce que je vais faire, c'est continuer à bouffer. Attends, c'est con, si ça se peut, on est tout près de la baraque. Ça se peut pas, je sais pas. Ah, peut-être qu'on va en créer une nouvelle mieux. Bah bon, c'est les ressources qui cassent. Mais ouais, mais couille, j'avais du charbon. Et du charbon, ça se trouve où? Bah, il faut creuser dans la pierre, dans des grottes. Bah, tu sais quoi, je vais m'y mettre. Si tu trouves par exemple un caillou avec des petites taches noires, ben c'est du charbon. Des taches brunes avec la pioche que t'as, enfin en gros
tu prends rien que les pierres avec des petites taches noires dessus parce que t'as pas une pioche assez puissante pour prendre les autres. Tu seras les casser mais tu vas rien récupérer donc ça va faire des ressources de perdu. Ouais ok, je vais faire ça. T'éloigne pas trop de là où tu m'as mis hein. Non mais je suis juste à côté. Ouais donc voilà, je suis juste à côté de toi. Eh, il faut un autre ingrédient, peut-être un autre objet pour créer les lits. Du bois, mais j'en ai. Bah tu peux prendre du bois, hein, vas-y. Ouais, bah, c'est ce que je fais. Ah là là, on s'est déjà perdu, c'est la honte. C'est là qu'on se dit que c'est en mode. Mais il faut plus se perdre hein, maintenant parce qu'une fois qu'on aura vraiment du diamant, de l'or et tout, je te prie de croire, on se perd, je crois que je me pends. Là ça va, c'était le début donc il y a moyen de rattraper. Bah on est en train de se rattraper donc à l'aise. Donc voilà, ce que je fais ici en fait c'est que je creuse dans le sol pour pouvoir trouver dans le fond. Ouais, tu remontes comment? Ben je remonte en mettant, enfin j'ai une petite technique pour remonter. En mettant des blocs, mais tu vas perdre des ressources. Ah non, juste des blocs de pierre. Ouais, les pierres, ouais. La pierre normale, on s'en fout. Ah j'ai un arc aussi, j'ai un arc à flèche. Une flèche ou alors un arc à flèche? Un arc à flèche et une flèche. Ah ouais, ça c'est intéressant, va falloir le taper dans le coffre ou. Ouais bah je vais peut-être te le donner parce que c'est peut-être le manier mieux quoi. Ouais c'est pas que je vais le manier mieux que toi, c'est qu'on va l'utiliser beaucoup plus tard parce que ça sert à rien pour le moment. Mais elle compte servir. Faut que je me casse le plus de terre possible pour pouvoir remonter ensuite. Tu m'étonnes. Quand tu veux, tu reviens à la maison, hein. Oh, ok. Bah là, je vais essayer de trouver un peu de charbon, quoi. Ouais, bah ça va. Bah de toute façon, là, en fait, je suis juste dans un trou près de la maison. Ouais, je vois ton pseudo. Bah bon, viens pas péter le sol de la baraque en creusant, là, dans ton sous-sol, hein. Alors, quand tu rejoindras la baraque, je ferai des lits. Ouais. Et je te donnerai une pioche en pierre, mieux que celle en bois. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas utiliser celle en bois, tu vois. Ouais, ouais. Creeper! Et où? Bah près de la maison et viens te faire un trou de là où tu creusais. Donc tu sais rejoindre la maison par ton trou je crois. Ah non même pas. Si si. Ah je suis au-dessus de toi en fait. Il a ouais, ce qui était deux blocs de la baraque mais à l'aise, je les ai déjà réparés. Je vois ton profil mais t'inquiète pas avec ça, j'ai de quoi remonter. Bon bah ça va. Bon, la nuit commence à tomber, hein.
Je sens qu'il fait, il commence à faire plus sombre, ouais, donc la nuit va arriver. Il y a encore le ciel bleu, mais la nuit arrive, je t'assure. Bah, ça va... Ouais, ouais, non, remonte, la nuit tombe. Ok, je remonte tout de suite. Ouais, la nuit tombe là. T'as touché, elle m'énerve. Hein. J'ai demandé de se taire, elle vient près de moi, elle me demandait. Je pourrais si ma mère te demandait un truc, hein. Réponds-le au moins. Hein. Ah, donc c'est toi là? Parce que... Attends. Ouais, c'est moi que t'as vu. Ah, ok. Donc voilà, là j'ai creusé un trou, là, on peut y aller. Ouais, c'est... Faut que je mets mes ressources dans le coffre. Ouais. Moi je vais fermer la porte de la baraque avec de la terre parce que j'ai plus assez de bois. Ouais, mais tes ressources... Oh ouais, nickel. Grâce à tes ressources, on va pouvoir faire un lit. T'inquiète, s'il y a des trucs qui disparaissent dans le coffre, c'est normal. C'est parce que je prends ce qu'il faut pour commencer les lits. Donc voilà, je vais remettre toutes mes ressources dans le coffre. Ok. T'as pas encore mis la laine? Ouais, je la mets tout de suite. Ouais, comme ça on va pouvoir dormir. Ouais, oh, ouais, c'est nickel. Ah oh, ouais, là on sera à faire deux lits tranquilles. Ben, je commence à construire les lits. Ah, vas-y. Donc voilà, t'as vu l'arc, t'as sûrement remarqué l'arc à flèche. Et les graines de blé. Et hop, un lit, et hop, deux lits. Ouais, ça commence bien, ça commence bien. Ah bah voilà, deux lits, c'est bien. Donc je sais pas si t'es content des ressources. Ah mais t'as trouvé une pomme. Ouais, mais on va pas la bouffer tout de suite. Là, je suis en train de cuire un morceau de viande au cas où si on en aurait besoin. Et ouais. Dès que bah, on va les coucher. Allez. Ouais. Ah putain, il y a des monstres autour de nous, on sait pas dormir dedans. Oh, putain. Attends, je regarde. Ah ouais, il y a un zombie. Bon, tu restes là, je vais me le faire, ok? Ouais, vas-y. Il y a l'arc à flèche toujours. Ouais, mais t'as qu'une flèche. Ah ouais, c'est rien, attends, je cherche. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Allez, j'y vais. Je te renferme dans la baraque, je vais vite tuer ce bâtard. Essaye de, essaye de te recoucher dans le lit pour voir maintenant. C'est bon. Ah ben j'arrive. Le monstre s'est barré tout seul en fait. T'inquiète, hein, si tu restes dans le lit, c'est parce que je suis pas dans le lit. Voilà, je suis couché. Ouais. Voilà. Donc il nous faut du bois normal, comme les bois ici devant. Et du charbon. Du charbon, ouais, mais c'est pas le plus important tout de suite. Du charbon, on en a quand même une cinquantaine hein, en stock. D'accord. Alors, il nous faut du bois, c'est ça l'important. Il nous faut du bois, ouais. Et moi, je vais m'occuper du champ parce que la nourriture, sinon... Ouais, donc voilà, j'espère que t'as assez avec les 17 graines. 17 graines, ouais, il y a moyen de faire quelque chose de bien fou. Mais il faut pas marcher sur ce que je vais faire, hein, parce que les graines, tu marches dessus et hop, c'est mort. Hein. Ouais, bah ça va, ok, écoute, je reste à l'écart. Y a pas de l'eau tout près de notre baraque? Non, dans les environs je crois pas non. Tantôt quand j'ai été creusé un petit peu, non.
Ouais, bah de toute façon même, ça sert à rien que je demande de l'eau parce que j'ai quand même contre, pas... aux alentours de la baraque, ça ouais, t'as... en fait, on est dans une sorte d'île. Ouais. Sur les bords. Il nous en faudrait environ combien de ressources de bois ? Plus t'en as, mieux c'est. Parce que le bois, on en est toujours à court, je t'assure. Oh, il y a un creeper qui a éclaté derrière toi et il y a un squelette que je vais aller buter. Un squelette en plein jour, c'est normal ? Ouais, il est dans l'ombre, hein, là. Ah ouais, on croirait. À la lumière du jour, il crève, mais... Avec une cinquantaine de bois, on aura assez. Une cinquantaine, ouais. Bon, j'ai commencé le champ, mais bon, maintenant, tout ce que j'espère, c'est que les monstres vont pas venir marcher dessus parce que j'ai pas encore fait de barrière en bois. Ah, mais ouais, tu es en train de ramasser du bois, donc normalement... Moi je regarde tout, je vois pas non plus.